J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches sur ces plateformes et de voir s'il est judicieux ou non d'investir dessus. Aujourd'hui, on va reparler un petit peu du crowdfunding. On va parler un petit peu de la première brique. J'ai investi il y a 2 mois sur cette plateforme. C'est une plateforme que je suis depuis à peu près 1 an, mais je n'avais mis aucun fonds dessus. J'étais pas en fait très très chaud au départ parce que je voulais un petit peu voir l'évolution en fait de la première brique, voir s'il y avait des défauts de paiement, etc. Je trouvais qu'il y avait très peu de biens au départ. Et en fait, au fil du temps, je me suis aperçu que c'était très carré et qu'il y avait de plus en plus d'investissements et pas de taux de défaut. Donc, j'ai décidé donc il y a 2 mois de commencer à investir parce que en fait, tout simplement, la première brique a montré que c'était une très très bonne plateforme bien gérée. Voilà. Donc, pour parler un petit peu de la première brique. On va regarder un petit peu, vous voyez, il y a 18 652 investisseurs et je pense que ça va continuer à monter. Taux de rendement moyen, ils mettent 11,25. Moi, je dirais un petit peu moins, mais on est, je pense, pas loin des 11%, c'est vraiment correct. Taux de perte, 0%. Alors après, il faut aussi voir un petit peu si ça peut changer. Hein. Là, ils mettent, parce qu'ils mettent pas à jour non plus. 54,3 millions ont été financés par les investisseurs. Voilà. Donc, on peut voir aussi qu'il y a un agrément Orias. Il y a un agrément Orias de cette plateforme. Voilà, qui est une plateforme, je vous rappelle, française. Voilà. Donc, cette plateforme marche très très bien. Il y a beaucoup de monde dessus. Moi, je vais vous donner un petit peu mon avis sur les avantages de cette plateforme et les inconvénients, enfin les points négatifs s'il y en a. Pour moi, déjà le taux d'intérêt, généralement il est de 11%, il est très intéressant sur des projets. Donc c'est 11% annuel bien sûr. Voilà. Deuxième avantage, pour moi, ce serait le volume des projets qui n'arrête pas de croître. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de projets. Maintenant, je dirais, c'est presque toutes les semaines en fait, que vous avez des projets, alors qu'avant, non, il y en a de plus en plus, ça prouve que en fait, ça marche très bien et ils sont de plus en plus, ils ont plus en plus de succès. Et de plus en plus de gens passent par la première brique pour les marchands de biens pour financer leurs projets. Voilà, un autre avantage, je dirais que les projets sont très très bien détaillés. Ça c'est aussi intéressant pour pouvoir un petit peu évaluer les risques. Donc c'est une très bonne chose. Voilà un petit peu pour aussi le montant des projets qui n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est intéressant, même s'il y a des gens qui râlent un peu parce qu'on est limité à 2000 euros par projet. 2000 euros, c'est déjà une grosse somme, mais bon, effectivement, pour les gros investisseurs, voilà, 2000 euros, c'est pas grand-chose. En tout cas, pour moi, 2000 euros, c'est assez important déjà. Voilà. Pour les aspects négatifs, j'en vois pas vraiment. Je vois juste en fait leur succès leur amène des petits soucis. C'est-à-dire que tout simplement, pour investir, c'est super dur. C'est vraiment super dur. Déjà, c'est en semaine et souvent c'est le midi ou en début d'après-midi. Bah, les gens travaillent, n'ont pas forcément accès, même si tout le monde a accès à Internet. Si on est au travail, on n'a pas toujours forcément le temps de se libérer, même 5 minutes pour investir au bon moment. Et du coup, bah, ce n'est pas tout le monde qui peut investir car les projets, ça va très très vite. Alors, quand les montants vont augmenter, il se peut que ça mette un petit peu plus de temps. Ou certains projets qui sont moins intéressants peuvent aussi mettre un peu plus de temps. Mais dans la plupart des cas,
ça va super vite. Ils ont fait un système de groupe, niveau 1, niveau 2, niveau 3, selon si vous avez investi ou pas déjà avant, pour faire un système de queue en fait, et qui déjà, ça permet un petit peu d'épurer et que tout le monde soit content, mais c'est vraiment super dur et c'est quelques secondes, donc s'il y a des gens qui maîtrisent mieux ou qui ont un ordinateur, une connexion plus rapide, ils peuvent très bien aller plus vite que vous. Voilà, voilà un petit peu pour le côté négatif. C'est pas vraiment un côté négatif, c'est juste ils sont victimes de leur succès, tout simplement. Je dirais un autre point, c'est tout simplement ce qui serait, c'est pas vraiment un point, c'est plutôt une remarque. C'est qu'ils pourraient en fait mettre un indicateur de risque. Là, bon, il faut aller bien inspecter les projets pour nous-mêmes faire notre avis, mais ils pourraient très bien eux faire aussi un système de risque en mettant par exemple niveau 1 risque, niveau 2 de risque, niveau 3 en fonction des projets car ils sont pas tous au même risque. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu pour les avantages et les inconvénients. L'avantage aussi c'est que vous pouvez investir à partir de 1 euro, même si je trouve que mettre 1 euro, honnêtement, c'est vraiment symbolique, je vois pas trop l'intérêt. C'est plus bon du marketing pour eux, mais d'investir 1 euro, franchement, enfin, pour moi, je vois pas trop l'intérêt. À partir de 100 euros, oui. Bon, si vous n'avez pas beaucoup de possibilités, même peut-être 50 euros, mais en dessous, ça va pas vous ramener grand-chose. Voilà. Mais c'est possible quand même. Voilà pour la première brique. Juste pour les gens qui. On va dire qu'ils ne maîtrisent pas trop les projets, l'analyse des projets. Je vais juste vous montrer rapidement, un petit peu succinctement, ce qu'il est quand même intéressant de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas investir sans regarder les projets. Il est intéressant de regarder. Donc là, vous voyez sur le dernier projet qui va sortir normalement semaine prochaine. Voilà, vous avez tout un petit pâté à lire, mais ce qu'il faut faire, c'est aller dans Documents ici. Vous cliquez sur Documents, plaquette de présentation, et là, vous allez avoir vraiment une description détaillée. Et selon moi, il y a quelques points qu'il faut vraiment regarder. Le premier point, c'est la géographiquement, c'est-à-dire la localisation. Là, on peut voir que c'est à Nice, mais c'est pas dans une banlieue, c'est à Nice même, dans le cœur de Nice, hein, en fait. Voilà, donc ça, c'est une très bonne chose, tout simplement parce que c'est dans la ville et que au niveau transport, c'est bien desservi, etc. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc la collecte, elle est de 294 000 euros, le rendement est de 11%, et c'est une durée cible de 10 mois, ça peut, hein, évidemment. Et veut changer, ça peut aller, je crois, jusqu'à 18 mois. Ouais, c'est entre 5 et 18 mois, c'est marqué ici. Entre 5 et 18 mois. Mais la durée cible, c'est 10 mois. Voilà. Ce qu'il faut regarder, une fois que vous avez regardé un petit peu la localité, c'est bien sûr de regarder le prix à lequel ils vont vendre le projet pour voir si ça correspond un peu au prix de Nice. Parce que là, apparemment, le projet serait en fait, c'est les trois là, ces trois personnes, Majid, Romain et Saïd, de regarder un petit peu leur historique, de voir s'ils ont déjà fait des projets, si ça s'est bien passé. Et leur projet est tout simplement une rénovation d'un appartement. Donc l'avantage de la rénovation, il n'y a pas beaucoup de travaux. C'est pas comme si ils essayaient de faire sur un terrain plein de petits appartements, de lotissements. Là, pas du tout. C'est juste de refaire un peu une peau neuve à l'appartement. Voilà. Donc regardez la géographie, regardez le projet, de regarder à combien va se vendre, ils veulent vendre le projet pour voir si c'est réaliste, s'ils peuvent le vendre à ce niveau-là. Ce qui est. Donc là, vous voyez, bien sûr, ils vous mettent tout, hein, ils vous mettent un peu la description de la ville. Voilà. Et de regarder, bien sûr, les photos. Donc là, on peut voir que l'état de l'appartement est moyen. Voilà. Donc ils vont refaire cet appartement tout simplement. C'est juste une rénovation et voici leur projet par la suite. Voilà. Donc là c'est le séjour cuisine. Voilà. Salle de bain, ils veulent tout refaire. Voilà, tout simplement.
Et là, c'est là qu'on commence les choses sérieuses. Donc, on peut voir, vous voyez, une marge sur chiffre d'affaires de 22%. C'est vraiment beaucoup. Le foncier, 70%. Les travaux, 14%. La première brique, on peut voir ici, c'est 55 000. D'autres frais, ça fait 14% à peu près pour les frais d'honoraires et le participatif. Voilà. Alors, très important de regarder aussi l'urbanisme. Voilà, l'urbanisme, là, ils nous mettent que il n'y a aucun urbanisme requis. Tout est bon. Voilà, donc ça c'est très important parce que sinon ça peut retarder tout simplement le projet ou carrément aussi parfois l'annuler. Donc il faut bien faire attention à ça, à l'urbanisme. Voilà, et comme je vous disais ici, vous mettez un peu des études de marché, donc des biens comparables pour voir si ça se vend le prix au mètre carré, s'ils sont à peu près dans les clous. Voilà. Là, c'est très important de regarder donc les marchands de biens et de voir. Là, on va aller voir. Voilà. De voir un petit peu l'implication au niveau financier de ces porteurs de projets. Vous avez des personnes qui investissent très peu, des marchands de biens qui investissent 5 à 10%, et là, il y a quand même plus de risques que là, ils ont investi un montant de 352 800, c'est-à-dire plus que, par exemple, un tout petit peu plus que nous, qui allons, si nous allons investir, nous les investisseurs, nous allons investir dans ce projet. Voilà. Donc l'avantage, c'est que déjà, nous, en ayant des investisseurs, je crois que nous pouvons investir 291 000 dessus, c'est à peu près la moitié, un petit peu moins de la moitié. Et bien, tout simplement, on a déjà une sécurité parce qu'il y a une hypothèque de premier rang de cette somme. Voilà. Donc c'est quand même avantageux, ça permet déjà de sécuriser, en fait, s'il y a un souci, d'être remboursé. Maintenant, pour les intérêts, c'est un petit peu, je pense que on doit être à peu près juste, mais on peut aussi se faire rembourser une grande partie des intérêts, je pense. Voilà. Donc c'est ça le plus important. Il faut bien regarder qu'il y a, ça c'est les garanties, donc voir qu'il y a une hypothèque de premier rang inscrite dans le cadre du financement de l'opération La Scarena. Nous avons décidé de prendre une hypothèque de premier rang inscrite sur l'appartement. Voilà, donc ça c'est l'hypothèque de premier rang, c'est vraiment le top, le summum. Donc pour moi par exemple, en analysant ce projet assez rapidement, pour moi il est vraiment très intéressant. Juste savoir si le prix où ils vont vendre l'appartement une fois qu'il aura été restauré, s'il correspond bien à la moyenne un petit peu, la moyenne des appartements au mètre carré qui sont un peu comme restaurés en fait, de voir s'ils sont dans la moyenne pour justement pouvoir le vendre et qu'ils soient pas trop au-dessus. Voilà, c'est le seul, on va dire, petit point qu'il faut vraiment aller vérifier, mais sinon pour le reste, pour moi c'est le genre d'investissement où on peut investir. C'est en tout cas mon analyse et mon avis. Après chacun fait ses propres recherches. Voilà, en tout cas, juste pour un petit peu résumer, on peut tout simplement analyser en regardant un petit peu la géographie, en regardant aussi la garantie, ce que met le montant que met les marchands de biens en jeu, en hypothèque, et de regarder aussi l'urbanisme, bien sûr, les travaux, etc. Donc il y a quelques critères qui sont vraiment importants de regarder quand vous investissez. C'est pas forcément de cliquer sur j'investis sans réfléchir, parce qu'il peut quand même y avoir des risques. Je vous rappelle que c'est du crowdfunding, il y a quand même des risques. C'est pas forcément tout schultz à chaque fois. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je laisserai un lien en bas s'il y a des gens que ça peut intéresser. Vous allez avoir un petit bonus en passant par mon lien. Voilà, je vous rappelle qu'il est important quand même de se diversifier dans vos investissements, même dans le crowdfunding, donc ne pas être que sur tout simplement une plateforme, mais d'essayer d'en avoir plusieurs si jamais il y a un souci avec une. Toujours se diversifier dans les investissements, c'est très important.
Voilà, et eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que j'ai un Discord et surtout un Telegram si vous voulez un petit peu discuter et voir les projets et les plateformes sur lesquelles je suis actuellement. À très bientôt. Ciao.